Are you okay? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, un petit peu au débeauté, j'avais envie de podcaster, si je puis dire, sur un film que j'ai vu récemment, alors sur le tard finalement, puisque le film date de 2016, mais j'avais envie d'en parler parce que je viens de le découvrir, même si c'était un projet que je, si vous voulez, que je mûrissais depuis un certain temps, parce que j'avais vraiment envie de découvrir de par sa figure, si vous voulez, de proue, au sens, voilà, sa figure, sa tête d'affiche. Il sera donc question de Terrifier, de Damien Léone, qui est donc pour le coup un film, comme je disais, qui date de 2016 et qui est grossièrement le spin-off de son premier film qui date de 2013, qui s'appelle All Hallows Eve. Donc Damien Léone, ça qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un spécialiste des effets des prothèses. Donc c'est très cool parce que ça permet de faire baigner un petit peu tout le film dans ce côté, alors old school si vous voulez en termes d'effets spéciaux, old school dans le terme esthétique hein, global, old school dans la démarche narrative, old school dans la mise en scène. Donc il y a ce côté-là vraiment d'aller chercher des trucs classiques, des trucs à l'ancienne, des trucs qui sont fondamentalement palpables parce qu'il n'y a pas de numérique. Tous les effets gore sont fondamentalement très concrets. Et ça, c'est pour moi, en tout cas très personnellement, ça me touche bien plus que des hectolitres de sang numérique. Donc là, pour le coup, déjà, si vous voulez, dans une certaine mesure, la démarche du mec, son parcours, pour moi, déjà me touche. Il est évident que dans son premier film donc, de 2013, donc All Hallows Eve, évidemment il y a des problèmes pour moi qui sont des problèmes de vraiment d'un premier film assez branque, assez cheap sur pas mal de points. Je reviendrai pas hein, sur le second segment, mais qui est relativement catastrophique sur pas mal de points. Là, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on sent que le réel a commencé un peu à prendre du galon, à prendre une certaine expérience, et son film est vachement plus maîtrisé. Donc très rapidement, pour résumer un petit peu de quoi il s'agit, alors on est face à un slasher qui est matiné de torture porn quand même, parce qu'on est quand même à une époque... alors là, le torture porn, si vous voulez, il est un petit peu mourant dans une certaine mesure, mais il y a encore, si vous voulez, c'est un genre qui s'est tellement inclus, intégré dans la, on va dire dans le genre horrifique global, que des petites incursions, des petites fulgurances comme ça, c'est quand même... quelque chose qui est assez régulier dans ce type de cinéma, donc moi ça me dérange pas en fait, en tout cas dans la manière dont c'est utilisé dans ce film. Donc très rapidement, c'est un scénario encore une fois très simple, très archétypal, très stéréotypé diront certains si on prend ça de manière un peu péjorative, mais moi je trouve que c'est plutôt archétypal si vous voulez, et encore une fois un scénario complexe, c'est pas un gage de qualité, ça peut être très simple mais extrêmement efficace. On suit simplement deux jeunes femmes, alors c'est vrai qu'elles ne brillent pas particulièrement par leur intelligence, mais comme beaucoup d'archétypes comme ça du cinéma d'horreur, quel qu'il soit, qui vont se retrouver une soirée en panne, et qui vont, pour diverses raisons, et pour pouvoir pallier cette panne, notamment parce qu'elles vont rencontrer un type qui est en train de faire du nettoyage dans un vieux bâtiment, elles vont pénétrer dans ce vieux bâtiment, et se retrouver confrontées au personnage de Art le Clown, qu'elles auront croisé quelques minutes plus tôt dans un fast-food, et qui va déjà dans un premier temps, dès qu'elles auront quitté le fast-food, de faire absolument un massacre total à l'intérieur du fast-food avant justement de retourner chez lui et de se retrouver confronté donc à ces deux personnages principaux pour l'instant qui sont dans une certaine mesure, le film joue sur une sorte de dilution de la fonction sujet puisqu'il y a une héroïne qui va intervenir un petit peu plus tard aussi, avec tout un, si vous voyez, tout un préambule aussi dont je vais essayer de pas spoiler, mais voir si ça se passe avant ou après. Voilà, il y a un préambule un peu flou au début qui va permettre un alors quand je dis twist, c'est très relatif, mais un petit twist à la fin pour savoir voilà à quel moment se situe ce premier passage dont on ne sait pas vraiment d'où il vient avant d'en pénétrer, si vous voulez, dans le cœur du récit. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages là qui vont être confrontés à un tueur taré, sadique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Art le Clown, c'est encore une fois un personnage très très fort, qui a une forte identité, je trouve, esthétique déjà dans un premier temps. Je pense que l'image, il est fort probable que vous la connaissez tous, hein, le physique de Art le Clown. Pour moi, je le connaissais avant d'avoir vu le film, et c'est d'ailleurs fondamentalement ce qui m'a donné envie de voir le film. C'est que ce visuel-là me titillait déjà depuis pas mal de temps. Et c'est un visuel vachement intéressant, parce qu'il y a un visuel, il y a une esthétique globale, si vous voulez, parce que c'est un personnage qui est mutique, et ça c'est super intéressant, et d'ailleurs ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce jeu sur le cinéma muet, et sur le personnage de l'homme qui rit, hein, fondamentalement, c'est un personnage qui est silencieux sur absolument tout, c'est-à-dire que tous les détails qui sont inhérents à lui, c'est-à-dire même sa respiration, sont complètement silencieux. Par exemple, prendre Michael Myers, il est mutique, certes, mais il y a pas mal de plans, je pense notamment quelques plans subjectifs, etc., chez Carpenter, où on entend la respiration, même dans les séquences de meurtre, où cette respiration, c'est ça qui va susciter l'angoisse. Là, il n'y a pas non plus de respiration, c'est-à-dire que
le monstre, le croque-mitaine, n'émet aucun son à proprement parler. Et comme il émet aucun son, c'est ce qui le rend extrêmement terrifiant, extrêmement déstabilisant. Il y a ce côté vraiment d'inquiétante étrangeté qui ressort vraiment très très fortement dans ce personnage-là. Et encore une fois, qui lui donne une personnalité particulière, notamment son travail aussi des expressions, et c'est pour ça que je parle de l'homme qui rit aussi, de la version muette. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout est passé par le regard, par les expressions. Il y a ce côté mime aussi. Je pense vraiment à toute cette première partie, en fait, cette première séquence, enfin, première séquence quand on suit les héroïnes, hein, j'entends après le préambule, où elles sont dans cette pizzeria, et que lui vient s'asseoir à côté d'elle et qui va jouer sur diverses expressions qui vont le rendre tantôt terrifiant, tantôt angoissant, tantôt malsain, et puis tantôt drôle parfois aussi, parce qu'il y a une ironie qui est plutôt bien sentie dans le film. Donc c'est ça que je trouve assez... C'est ça qui le rend fondamentalement extrêmement terrifiant, en fait. C'est vraiment cette idée, quand il sourit, quand il rit, il fait tout ça en silence, il n'y a rien qui sort. Il me semble vraiment que ce personnage-là est sorti d'un film muet. C'est comme si vous aviez un personnage de film muet qui était extirpé de son film muet, encore une fois très inspiré de l'homme qui rit, et qu'il était rapatrié dans la réalité, mais avec ce filtre du muet autour de lui. Donc ça lui rend vraiment une sorte de personnalité extrêmement forte. Et ça permet de contrebalancer, en fait, on va dire au moins l'apparente inexistence des personnages qui sont autour, parce que finalement les personnages qui gravitent autour sont des stéréotypes pas forcément très intéressants, si vous voulez. Ils sont inhérents slasher, c'est des personnages fonction, en fait. L'idée, c'est de voir œuvrer le tueur, en fait, plus qu'autre chose. Même si les trois héroïnes, parce que fondamentalement il y en a trois, sont relativement attachantes, c'est-à-dire que c'est pas des personnages tête à claque, il y a quand même un travail sur le fait qu'elles soient attachantes, qu'elles aient un côté assez badass aussi parce qu'elles se défendent, mine de rien. Donc ça fonctionne assez bien malgré tout, en fait, on reste quand même pris derrière ces deux héroïnes, et ces trois héroïnes, pardon, et le fait est que l'avancement progressif du récit, qui est fondamentalement un huis clos dans la seconde partie, puisque ça se passe uniquement dans ce bâtiment délabré, dans lequel vit le clown et puis les quelques locataires du bâtiment. Le huis clos fonctionne hyper bien, c'est hyper, encore une fois, ça va au but, ça va droit au but, ça cherche pas, on cherche pas à faire des circonvolutions autour, il n'y a pas de furiture, c'est radical, ça va au bout de son truc, c'est encore une fois un clown qui tue, mais un clown avec une personnalité intéressante, avec une iconisation vachement forte. Je trouve ça si intéressant dans son costume, pour venir aussi au cadre dans lequel il évolue. Il y a quelque chose, même dans la photographie, qui est très très monochrome, en fait, et le bâtiment justement est très peu éclairé à l'intérieur, on joue beaucoup sur l'ombre et la lumière, et comme ce personnage a une moitié de son costume, puisque c'est un clown blanc, un noir et l'autre blanche, c'est vachement intéressant sur la manière dont il va jaillir de l'ombre. Donc on va le voir se promener dans un couloir en fin fond du truc, on sait pas vraiment si on l'a vu. Donc finalement, un petit peu comme on peut dire attention, je ne vais pas du tout comparer à McTiernan et à Predator, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est intéressant parce que Damien Leone a pensé son tueur comme inséparable du lieu dans lequel il évolue, en fait. Donc ça fonctionne très très bien. Au-delà de ça, ensuite, moi, ce qui me plaît beaucoup, évidemment, c'est la radicalité dans le gore, c'est-à-dire que le film, il va à fond, c'est ultra dégueu, c'est... Qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est que des effets prosthétiques, c'est que des effets à l'ancienne, c'est old school, c'est du pratique, donc c'est ça qui, moi, me plaît, en fait, c'est vraiment un travail artisanal, en fait, et tous les effets sont super bien foutus, d'ailleurs, y compris, au passage, hein, le faciès du tueur, hein, de Art the Clown, qui est aussi... il y a aussi des effets prosthétiques sur lui, donc ça le rend ce côté monstrueux aussi. Et puis ça va aller sur le mystère qu'il y a derrière, parce que finalement on sait pas grand chose sur lui. C'est d'autant plus intéressant, en fait, que pour essayer de donner une personnalité au tueur, il y a des moments aussi où il va y avoir une sorte de digression un peu étrange. Je sais pas d'où c'est sorti, notamment cette séquence où il va prendre la peau d'une des femmes qu'il a tuées et s'habiller avec. Et il se balade à poil comme ça, habillé avec la peau. Et c'est très étrange parce que la séquence est à la fois. Elle a un côté très grand guignol, hein, une sorte de poésie macabre un peu qui se dégage de ça. Et c'est assez étrange, et notamment une séquence avec un autre personnage, alors je vais rester très vague, avec un bébé, qui inclut un bébé, et qui est aussi extrêmement étrange sur la question de la maternité, qui est assez, assez bizarre, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que ces scènes pourraient paraître hors de propos, mais finalement elles paraissent à propos parce que ça crée du mystère au niveau du background du tueur. On ne cherche pas à expliquer, encore une fois, plus que de raison, parce que expliquer, ce sera encore une fois démystifier ce tueur qui a une mystique assez forte, qui est quasi fantastique, hein. Pour moi c'est évident, c'est, même si on le voit au tout début, vous avez ces quelques plans qui succèdent où on voit que c'est un homme qui porte des gants, etc., mais on voit jamais son visage hors de son maquillage, on voit jamais hors de son costume. Donc il y a quand même une sorte de puissance fantastique derrière qui fait que pour moi ça fonctionne et ça me touche.
Donc pour revenir enfin aux effets vraiment pratiques et gore, puisqu'on parlait des prothèses, voilà, moi je trouve que le film se fait un maximum de plaisir, et Damien Léon, en tant que spécialiste des prothèses, bah, montre tout son savoir-faire, et c'est super jouissif, en même temps d'être super parfois écœurant, super violent, super brutal. Je pense notamment à la première séquence, ça vous donnera vraiment l'état d'esprit du truc, qui est les meurtres dans la pizzeria, qui sont d'une brutalité assez rafraîchissante, qui ajoute notamment aussi cet élément du costume du tueur que je trouve cool aussi, qui est extrêmement simple. Si oui, c'est pas super original, mais comme il y a cette part blanche du costume et son masque blanc, bah, quand il poignarde, il y a des giclées de sang sur son truc et ça ressort beaucoup plus. Et à la fin, son costume, il est totalement ensanglanté. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça esthétiques, de choix esthétiques et de choix de mise en scène qui font que le film est très percutant, très efficace. Et puis son côté old school, moi, le rend fondamentalement sympathique. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il y a quelques jours, donc la bande-annonce du deuxième est sortie, puisque encore une fois, c'est un film qui a sa petite aura en fait autour de lui, qui réunit un certain nombre de fans, dont moi finalement je fais partie. Je pense que c'est vraiment un film que j'apprécie, dont j'ai envie de voir la suite. Encore une fois, c'est pas un très grand film, faut pas chercher un grand film. Mais si vous êtes amateur de slasher, alors Mathilde Torture Porn, parce qu'il y a une séquence qui pour moi est quand même très très torture pornesque, et qui est d'ailleurs assez hardcore, et qui rappelle notamment une séquence dans Bone Tomahawk de Craig Zeller. Vous avez un peu le même effet, un peu les mêmes effets meurtriers sur un personnage de mutilation. La séquence est vraiment hardcore, et encore une fois, fait tout en effet, si vous voulez, fondamentalement de prothèses et en effet pratique. Donc c'est super intéressant à regarder en termes d'effets spéciaux, c'est très cool. Et la séquence fonctionne bien, c'est-à-dire quoi. Ce que je trouve qui est intéressant dans le film, c'est qu'il n'y a pas de gratuité sur ce truc-là, mais c'est un slasher. Ça rentre dans un archétype narratif. Il y a des passages obligés. La chorégraphie des meurtres est nécessairement importante dans un slasher. C'est ça qui fait la base, et c'est ça qui fait aussi les rebonds narratifs, et ça qui fait avancer la narration. Moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est un film extrêmement agréable, extrêmement rafraîchissant, parce que ce genre de slasher, finalement, on en voit relativement peu. Moi, le dernier slasher que j'ai dû voir, j'entends récent, hein, qui moi m'a fait vraiment l'effet, c'était Strangers to Pray at Night. Je me rappelle plus du réel, hein, je remettrai en description, je le noterai peut-être ici, qui moi m'avait fonctionné parce qu'il y avait cette certaine radicalité. Encore une fois, le slasher, c'est un genre qui est très enfermé, malheureusement, dans les années 80, début 90, et que Scream a vraiment définitivement enfermé là-dedans, à tel point que c'était avec toute la vague qu'il y a eu post-Scream. Et le cynisme à l'égard du slasher qui a été véhiculé à travers ces films, ça a complètement, définitivement enterré et enfermé le slasher là-dedans. Donc il n'y avait vraiment plus de place à proprement parler pour le slasher radical, le premier degré. Et il y a ces petits films-là comme ça qui sortent, que moi je trouve vraiment chouettes. Donc comme Terrifier, je voulais Strangers to Pray at Night, le Halloween, pourquoi pas, de David Gordon Green, même si moi je le trouve un peu soft sur pas mal de points. Là, on a vraiment un truc, et aussi passage pour Halloween, il y a un côté un peu méta aussi, qui est quand même héritière de Scream malgré tout, parce que Scream a quand même fait beaucoup de mal aux slashers, beaucoup de mal au cinéma d'horreur. Tout ce qu'on peut penser de Scream, moi j'aime pas 2, 3, j'ai un peu plus de sympathie pour le 4, j'aime bien le 1, mais tout en sachant que pour moi le premier Scream est très problématique, parce qu'il a fait beaucoup de mal encore une fois au cinéma d'horreur. Et je trouve ça cool que de temps à autre, il y a des slashers comme ça, un peu brutaux, un peu directs, un peu radicaux, qui émaille un petit peu le paysage horrifique. Bon, bien sûr, malheureusement, c'est un film qui n'est pas sorti en France, malheureusement. Je sais qu'il a été interdit au moins de 18 ans, il me semble, aux États-Unis pour sa violence, surtout parce qu'il c'est pas tant que le film est excessivement gore, mais il va taper ce truc vraiment dérangeant parfois, en fait, et qui fait que, bon, évidemment, ça peut, d'un point de vue, ça peut choquer, évidemment. Mais moi ça m'éclate en fait, je trouve que justement il y a ce qui est un peu film de sale gosse, moi qui me plaît beaucoup en fait, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un film de sale gosse, sans prétention, mais sincère, honnête, humble, et puis mine de rien avec un vrai morceau de croque-mitaine qui déboîte à l'intérieur, parce que le croque-mitaine il est vraiment top, absolument top, et c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir la suite en fait de ce Terrifier 2, parce que ce croque-mitaine j'en ai pas vu assez, j'ai envie d'en voir plus. Qu'on reste dans le mystère, j'ai pas envie qu'on déflore trop la chose, parce que si on déflore trop, malheureusement, ça risque de le faire s'effondrer, mais voilà, l'idée c'est que ça me plaît énormément, et j'espère que cela vous plaira, donc je vous conseille très fortement Terrifier de Damien Léon, sorti donc en 2016, et vous pouvez trouver par votre cousin américain, comme on dit très souvent, dans Synesthésie. Voilà, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, mater des films, c'est important, et puis bah, je vous dis à très très bientôt, et puis passez de bonnes vacances, salut !